Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série. Histoire en série aujourd'hui qui reçoit à nouveau Simon Asdenteufel. Bonjour Simon. Bonjour Nicolas, merci pour l'invitation. Merci à vous Simon de venir. Alors comme la première fois, on va parler de Moyen-Âge avec vous et c'est toujours très intéressant d'évoquer cette période-là avec vous, avec votre regard. Alors d'abord, je vais vous présenter ou vous représenter pour ceux qui auraient vu l'épisode 59, qui l'auraient écouté. C'était sur comment on voit les guerres véritablement dans les séries médiévalistes. Alors Simon, vous êtes actuellement doctorant et ATER à Sorbonne Université, donc école doctorale 1 au centre Roland Mousnier, UMR 8596. Vous faites votre thèse sous la direction d'Elisabeth Crouzet-Pavant. Vous êtes aussi professeur agrégé titulaire et vous êtes mis en disponibilité pour études auprès de l'Académie de Versailles. Alors, votre sujet de recherche, de thèse, c'est les pratiques, les langages et les conceptions du pouvoir chez les seigneurs de Romanie latine entre 1204 et 1430. Donc là, on n'est pas tout à fait sur Byzance et sur la fin de Byzance. En tout cas, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va parler de médiévalisme. Alors, c'est quelque chose aussi que vous connaissez très bien. Vous parlez beaucoup de ça, en tout cas, des représentations du Moyen-Âge. C'est peut-être aussi le moment de parler, peut-être quelques secondes, du blog dont vous faites partie, notamment aussi avec Florian Besson qui l'anime. C'est Actuel Moyen-Âge. Peut-être quelques mots dessus. Alors oui, merci pour cette présentation. Actuel Moyen-Âge, c'est donc un blog de vulgarisation de la recherche scientifique. Chaque semaine, on publie le jeudi un petit article qui fait le lien entre un fait d'actualité et un phénomène médiéval, un événement médiéval. On essaie de voir un petit peu les liens qu'il peut y avoir, les connexions qu'il peut y avoir, mais aussi bien sûr les différences à chaque époque, chaque période restant bien sûr spécifiques. Et donc de la sorte, on essaie de faire connaître des sources, des noms de chercheurs, de chercheuses au grand public, voilà, pour augmenter un petit peu la culture historique générale. Voilà une opération vraiment louable. On peut vous suivre et vous êtes d'ailleurs très suivi sur les réseaux sociaux, notamment en Twitter, bien sûr. Et puis, donc, on vous renvoie à tout ça. On met les liens vers Actuel Moyen-Âge sur la page de l'émission de notre site Internet. Alors, aujourd'hui, je disais, on ne va pas parler de Byzance, on ne va pas parler de séries sur Byzance parce que peut-être que déjà, il y en a un peu, en tout cas, mais on va évoquer une série médiévaliste, une série de fantasy. Votre camarade Justine Breton était venue nous présenter la saison 1. Vous allez nous présenter, vous, la saison 2. C'est la série disponible sur Netflix, The Witcher. Alors, peut-être, pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté le premier épisode avec Justine, nous présenter, Simon, c'est quoi The Witcher, en fait ? Alors, The Witcher, en anglais, ou Le Sorceleur, en français, c'est une série qui se déroule dans un monde médiéval fantastique, et ce monde, il est appelé Le Continent. Cette série, elle nous raconte l'histoire de Geralt de Rive, le sorceleur. Le sorceleur, c'est un guerrier ultra puissant, génétiquement modifié, et qui vend ses talents de combattant comme un mercenaire pour se débarrasser des monstres qui peuplent le continent. Alors, cette série, The Witcher, derrière cette série Netflix, il y a une œuvre qui est plurielle, qui est multiple, qui existe en fait sous différents formats. Au départ, The Witcher ou Le Sorceleur, c'est une série de romans écrits par un auteur polonais, Andrzej Sapkowski, en plusieurs volumes. Alors, la série de romans, elle a un petit peu peut-être dérouté le public qui ne connaissait pas, parce qu'en fait, elle se divise en deux parties. On a une première partie avec trois livres, et en fait, chaque livre, le premier, deuxième et troisième tome, c'est un recueil de petites nouvelles, et ces petites nouvelles, elles se lisent complètement indépendamment les d'une des autres. Et à travers ces nouvelles, on se plonge dans l'univers de la série, on en découvre les personnages, la géographie, les peuples, les mœurs. Et alors, chose intéressante, c'est que ces petites nouvelles, si on regarde bien, elles sont inspirées souvent dans leurs motifs, dans leur schéma narratif, des contes traditionnels, des contes de Grimm ou d'Andersen. Sauf que ces contes, ils vont être détournés de manière complètement lugubre ou très très grinçante.
Et en fait, déjà, rien que cet aspect, on le retrouve dans la saison 2, dans le premier épisode. Peut-être que certaines auront remarqué, mais en fait, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Sauf que cette fois, la Bête tombe amoureux non pas d'une belle et intelligente jeune femme, mais d'un véritable monstre hein, qui prend une apparence féminine. Et en fait, la Bête, elle en est bien consciente, et c'est ce qui fait un peu tout le tragique de l'histoire. Et donc, de la sorte, l'univers du sorceleur, en fait, va renverser complètement le côté merveilleux du conte en donnant une tonalité plutôt obscure et inquiétante. Donc ça, c'est la première partie des romans, les trois premiers volumes. Et en fait, après, il y a d'autres volumes, une deuxième partie, et là, on a un véritable arc narratif hein, en cinq romans qui vont être centrés autour de l'histoire de trois personnages dont le destin est lié, et personnages qu'on va retrouver dans la série. Ces personnages, ce sont Geralt, donc notre sorceleur, Yennefer, une sorcière, et Ciri, une jeune princesse. Et donc c'est sur cette histoire que la série de Netflix se concentre. Mais il n'y a pas que des livres. Parallèlement aux livres, il y a aussi trois jeux vidéo qui ont été développés par un studio polonais, CD Projekt. Et ces jeux vidéo, alors, ils sont particuliers parce qu'en fait, ils reprennent les personnages, ils reprennent la trame principale des livres, mais ils fonctionnent indépendamment, un petit peu comme une adaptation libre, hein, avec l'autorisation de l'auteur, bien sûr. Et ces jeux, ils ont eu un immense succès commercial, mais c'est aussi un très grand succès technique et artistique qui a contribué à la renommée du studio polonais CD Projekt. Et ça change un petit peu d'habitude parce que les jeux comme The Witcher, hein, qui sont, pour le faire simple, des jeux de rôle, bah, d'habitude, c'est plutôt produit par des très gros studios américains, par exemple Bethesda pour la série des Elder Scrolls, hein, dont l'un des plus célèbres, c'est Skyrim, ou encore, sinon, ce sont des studios japonais qui s'en chargent, par exemple Square Enix pour la série Final Fantasy. Et donc là, on fait un petit peu un pas de côté avec CD Projekt. Et enfin, dernier support, hein, avant la série de Netflix, en 2001, il y avait déjà eu une première adaptation polonaise aussi, hein, pour la télévision polonaise, sous la forme d'un film qui en fait était une compilation de 13 épisodes, hein, mis bout à bout. Et le problème, c'est que l'accueil critique a été plutôt mauvais, hein. On peut voir, je crois, en accès libre sur YouTube, le film. C'est vrai que, bon, au niveau de la réalisation, il est vraiment très, 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 très artisanal. En tout cas, on voit bien que, à travers un peu ce panorama, cette saga du Witcher, elle est très liée à la Pologne. Et en fait, c'est un véritable élément du patrimoine culturel polonais. C'est aussi ça qui fait l'originalité de cette série. Cette influence polonaise, et plus largement slave, elle se retrouve en fait dans de nombreuses influences du folklore slave dans la série, qu'on retrouve dans tous ses supports. Alors, je vais prendre deux petits exemples hein, pour la saison 2. Dans le premier épisode de la saison 2, qui reprend donc la trame de La Belle et la Bête, Belle, en réalité, c'est une Brooks. Une Brooks, c'est un monstre qui survit en aspirant le sang de ses ennemis. Et là, en fait, on retrouve la figure du vampire, un personnage central dans l'imaginaire slave, d'autant plus que le mot même de vampire, hein, il viendrait, on pense, hein, l'étymologie, hein, viendrait de cette ère culturelle slave, d'un terme qui pourrait signifier soit boire ou soit grogner. Alors, un second exemple, hein, toute la saison 2, elle est hantée par un protagoniste démoniaque du nom de Voletmir. Voletmir n'est pas dans les romans, c'est une création originale de la série. Et Voletmir, alors on ne sait pas exactement qui c'est peut-être une sorcière ou un esprit démoniaque qui est emprisonné dans une hutte sur pattes au milieu de la forêt. Et en fait, ce personnage-là, il est inspiré très directement de Baba Yaga. Baba Yaga, c'est une divinité surnaturelle des contes russes. Donc, à travers tout ça, on voit que The Witcher occupe vraiment une place particulière dans la production artistique polonaise. C'est une série à succès de la Pologne et qui dépasse les seules frontières de ce pays pour diffuser en fait des éléments de la culture slave. On pourrait dire presque qu'il y a une forme hein, de soft power en fait à travers The Witcher. Le cofondateur de CD Projekt, le studio de développement du jeu vidéo, a même déclaré, hein, je cite, The Witcher en Pologne est comparable aux œuvres de Tolkien pour les Britanniques. Alors, ce lien très fort avec la culture polonaise, ça a même pu créer quelques tensions par rapport à la série de Netflix,
car la série Netflix, elle est produite par une femme américaine, Lauren Schmidt-Hissrich, et elle a pu être en fait cette showrunneuse jugée inapte à restituer fidèlement l'esprit slave de la série. Bon, alors pourtant, on voit bien au contraire hein, que la showrunneuse, elle a été attentive à cette influence slave. C'est notamment elle qui a décidé d'ajouter dans la saison 2 le personnage de Volhetmir, inspiré de Baba Yaga. Alors plus largement, on peut dire un petit mot quand même de cette polémique, parce qu'en fait, elle est intéressante, elle pose de vraies questions en termes de transfert culturel. The Witcher reprend des éléments polonais, mais en fait, The Witcher, comme n'importe quelle œuvre culturelle, faut pas oublier que c'est le produit d'influences multiples, au-delà de frontières nationales, même au-delà de frontières régionales. Hein. The Witcher, bien sûr, est une création polonaise avec des inspirations slaves, mais pas seulement. C'est vraiment un melting pot de beaucoup, beaucoup d'influences artistiques diverses venues de l'extérieur de la Pologne. Et l'exemple qui me semble le plus parlant, le plus éloigné, c'est un épisode fondamental de la première saison et de la série en général. Dans cet épisode de la saison 1, Geralt libère un djinn qui peut exaucer trois de ses vœux. Un de ses vœux va en fait le lier à Yennefer. Et en fait, on voit bien ici que l'inspiration de ces trois vœux, ce sont les contes orientaux des Mille et Une Nuits. Simon, quand on rentre dans l'analyse proprement parlée de The Witcher, que ce soit la saison 1 ou 2, on voit quand même, et ça c'est d'ailleurs la photographie hein, qui est directement tirée de ça, c'est un Moyen-Âge qui apparaît quand même très sombre. Alors très sombre parce que, on l'a dit, la couleur, mais aussi très sombre parce que finalement on ne voit que de la violence, on ne voit que des meurtres, on ne voit que ce côté-là, le côté peut-être culturel, on voit peut-être quelques fêtes qui apparaissent dans les châteaux, en tout cas des grands rois, mais on ne voit pas tout ce qui, vous, en tout cas, vous cherchez justement à montrer dans l'actuel Moyen-Âge. Ça, c'est pas du tout le Moyen-Âge de, en tout cas, qui est fantasmé, qui est montré dans The Witcher. Ah non, pas du tout. En effet, dans The Witcher, il y a vraiment la volonté hein, de représenter un univers extrêmement sombre. Et en fait, pour y arriver, la saga, elle va reprendre à fond le cliché du Moyen-Âge comme période sombre, barbare, sanglante, hein, les Dark Ages. Les environnements hein, sont extrêmement inhospitaliers, inquiétants dans la série. Au niveau de la société, on voit que la richesse des rois et des aristocrates, elle contraste avec l'extrême misère de la population qui vit soit dans des villages isolés ou alors dans des villes assez misérables et qui s'enivrent dans les tavernes. Et puis enfin, on a une violence qui est omniprésente avec la guerre permanente, des attaques de monstres, avec l'intolérance religieuse, raciale. C'est des choses qu'on retrouve aussi beaucoup dans les jeux vidéo, qui est très présent dans l'atmosphère des jeux vidéo et que la série reprend quasiment à l'identique. Il y a une formule très célèbre de la saga du Witcher, qui fait un bon résumé un peu de tous ces aspects. Le Moyen-Âge de The Witcher, c'est, je cite, le temps de la folie et du mépris. La citation qui est un peu au cœur de la série. Et en fait, cela amène à rappeler un petit élément de littérature essentiel. Cette série de The Witcher, elle fait partie du genre littéraire de la gritty fantasy. La fantaisie âpre. C'est le contraire de la fantaisie traditionnelle qui est très manichéenne, avec d'un côté le bien, d'un blanc immaculé, incarné par de beaux chevaliers, des princesses moralement parfaites, et de l'autre côté, en face, le mal qui est forcément vêtu de noir et qui est fondamentalement méchant. Ça, c'est la fantaisie traditionnelle. On pourrait presque dire la fantaisie type Seigneur des Anneaux, même si, c'est peut-être plus complexe que ça. Et à l'inverse, la gritty fantasy, elle se veut plus nuancée, elle se veut en nuances de gris. Il n'y a pas vraiment de gentil et de méchant. Il y a plutôt des personnages à la frontière entre le bien et le mal. Et en fait, ces deux types de fantasy, la fantasy classique, la high fantasy et la gritty fantasy, elles vont un peu aller piocher dans deux visions stéréotypées du Moyen-Âge, hein, soit le merveilleux médiéval avec ses merveilleux petits êtres, soit le Moyen-Âge comme période sombre, comme Dark Ages. Alors, pour autant, l'objectif de la gritty fantasy, ce n'est pas forcément de véhiculer une image fausse du Moyen-Âge. On va dire de critiquer le Moyen-Âge. En fait, c'est un objectif qui est très contemporain. C'est de paraître beaucoup plus réaliste que la fantaisie traditionnelle et en paraissant plus réaliste, de donner en fait un reflet de notre propre période avec ses doutes, avec sa violence. Et en fait, les clichés médiévaux servent dès lors à représenter de manière indirecte
les enjeux de notre propre monde. Simon Hasdenstoffel, vous évoquiez à l'instant cette idée des clichés médiévaux, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose normalement qui est très présent dans la fantasy. Et quand on parle de clichés sur le Moyen-Âge, on a des images en tête, hein, bien sûr, l'image du château fort, mais aussi l'image des chevaliers. Or, ces chevaliers, Simon, en tout cas tel qu'on l'entend, peut-être dans le sens traditionnel, hein, de la chevalerie, on les voit très très peu dans The Witcher, un tout petit peu peut-être dans la saison 1, et puis dans la saison 2, de prime abord, on voit beaucoup de soldats, mais en tout cas, l'esprit de chevalerie, en tout cas, ne semble pas là. Oui, complètement. On a l'impression que The Witcher, c'est un monde médiéval sans chevalier, alors que pourtant le chevalier, bah, c'est la figure symbolique, une des figures symboliques par excellence du Moyen Âge, hein, qui est présent dans la plupart des séries médiévalisantes, dans les films. À nouveau, vous prenez le Seigneur des Anneaux, Aragorn, en un sens, reflète aussi cet imaginaire du chevalier. Alors, effectivement, dans la saison 1 de The Witcher, on a peut-être quelques personnages qui peuvent s'inspirer du chevalier. Là, je pense notamment à la reine Calante du royaume de Sintra, alors qui est une femme en fait, mais qui voilà reprend dans son comportement certains codes chevaleresques. C'est assez intéressant parce que ça fait d'ailleurs écho au Moyen-Âge, au fait qu'au Moyen-Âge, les femmes qui avaient du pouvoir politique, on pouvait en fait les comparer à des hommes, dire qu'elles étaient au cœur d'hommes. Son mari aussi, un Aist de Skellige, était une sorte de chevalier. Mais dans la saison 2, eh bien, en effet, le chevalier semble complètement absent. Cet archétype médiéval semble complètement absent au premier abord. On n'a pas de personnages qui reprennent l'apparence et le comportement du chevalier tel qu'on se le représente. Alors, de manière assez générale, ça c'est en partie lié au genre littéraire, hein, de la gritty fantasy que j'évoquais. Le chevalier, dans l'imaginaire contemporain, dans notre esprit, il se distingue par son code de l'honneur et c'est ce qui en fait souvent un héros, un modèle moral pour le spectateur. Et la gritty fantasy, bah, elle détruit complètement ce modèle moral. Elle nous montre que c'est une construction idéale. Dans un roman, dans un film, dans une œuvre de fiction qui fonctionne comme dans le monde réel, bah, le chevalier, avec son beau code de l'honneur, ne peut pas survivre. Il est voué à mourir pour ses belles valeurs. Ça, c'est par exemple Eddard Stark, Ned Stark dans Game of Thrones, ou alors ce chevalier, derrière son apparence de gendre idéal, il cache un être qui est un parfait salaud pour survivre. Là, ce serait plutôt, pour rester dans Game of Thrones, Jaime Lannister. Malgré tout, on peut se demander si le personnage principal de The Witcher, Geralt, eh ben, en fait, il fait pas office de chevalier, mais d'un genre particulier. Alors, au début, au premier abord, c'est vrai que Geralt semble être un peu tout l'inverse du chevalier. C'est un mercenaire qui ne combat pas pour un roi, qui ne combat pas pour un royaume, qui ne combat pas pour un idéal. Il combat parce que c'est la chose qu'il sait faire de mieux. Et il est payé pour cela. Par ailleurs, Geralt, il est considéré comme un monstre par le reste de la société, un monstre, hein, qui a subi des modifications génétiques pour devenir plus puissant. Et ces modifications génétiques, son apparence monstrueuse, en fait, elle est visible à travers ses cheveux blancs et ses yeux jaunes. Il n'est jamais accueilli comme un héros par les populations, mais plutôt comme un être monstrueux dont il faut se méfier. Et en fait, là-dessus, pour faire ce personnage de sorceleur, il faut rappeler que l'auteur polonais, Andrzej Sapkowski, il s'est inspiré, avant de s'inspirer du chevalier, d'un autre stéréotype très contemporain. Ce stéréotype, c'est le détective privé des romans policiers, des romans noirs américains. Un détective privé dont le meilleur modèle, c'est Christopher Marlowe, dans les livres de Raymond Chandler. Geralt, comme Marlowe, ce sont deux héros désabusés qui vivent de ce qu'ils savent faire le mieux, tuer, enquêter, et qui ne croient pas dans les grandes utopies d'un monde meilleur, mais qui naviguent en fait au milieu de ce que la société comporte de plus sombre entre le bien et le mal. Mais derrière ces aspects, bah, Geralt, il peut finalement aussi faire figure de chevalier à plusieurs égards. Parce qu'en vérité, il a un code de l'honneur, certes imparfait, mais qui a le mérite d'exister. Il ne tue jamais par plaisir, et il va chercher à défendre la jeune Ciri, la princesse qui a perdu ses parents, un petit peu sur le modèle de la défense de la veuve et l'orphelin. Ces aspects, ils ont été notamment bien soulignés par Justine Breton, qui a parlé de la série avant moi. Et au-delà de ces aspects psychologiques, on peut peut-être s'intéresser aussi à d'autres éléments.
Oui, effectivement, on retrouve, quand on voit le personnage de Gérald, on retrouve quelques topoïs du chevalier. En premier, peut-être le chevalier, ça rappelle le cheval. Et là, on voit bien, dans les deux saisons en tout cas, que le cheval, on peut peut-être spoiler aussi, hein, ceux qui écoutent en tout cas, par rapport dans la saison 2, ce que va devenir Ablett, son cheval, mais on voit que c'est son véritable compagnon. Oui, c'est ça, le cheval de Geralt, donc Ablett en français ou Roach en version originale, c'est le compagnon de route de Geralt, ce qui le relie un petit peu à l'humanité, au reste de l'humanité. Alors, on ne le voit jamais se battre sur sa monture comme dans les vrais combats de chevalerie, mais c'est vraiment en fait ce cheval, Ablett, un vrai personnage qui a une véritable importance aux yeux de Geralt, le compagnon du héros solitaire. Alors c'est drôle parce que là on pourrait se demander est-ce que finalement Geralt c'est pas aussi un petit peu le cow-boy solitaire sur son cheval pour parcourir les grandes distances de l'Ouest américain. En tout cas, cette idée du cheval comme le compagnon du héros, la showrunneuse, elle a vraiment pris cette idée à bras-le-corps. Elle a choisi en effet de faire mourir Ablett dans l'épisode 6. Hein, la jument est blessée par un monstre et Geralt décide d'abréger ses souffrances. C'est une scène qui se veut vraiment volontairement triste et qui a beaucoup ému les spectateurs. Et les scénaristes, en fait, ont ju justifié cette scène par le fait de donner une mort héroïque à ce cheval, à ce personnage, plutôt que de le laisser mourir de sa belle mort, anonymement, de le faire disparaître, en fait, comme beaucoup de séries médiévalisantes. Le deuxième aspect, peut-être Simon, vous allez me dire, vous connaissez, hein, et Justine Breton aussi a fait des épisodes avec nous sur la place du chevalier dans les romans de chevalerie et comment il est montré à travers les séries. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. On voit bien ici Geralt, en tout cas, qui parcourt le continent sans peut-être une mission précise. En tout cas, ça rappelle, hein, fortement la figure du héros solitaire, du chevalier dans les romans de chevalerie médiévaux. Oui, complètement. C'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, ce schéma narratif, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature médiévale. Geralt, comme le chevalier errant des romans arthuriens, n'a pas forcément d'objectif précis, mais part à l'aventure. Et en fait, il part en quête de sa propre identité. Il y a une phrase du roman de chevalerie Yvain ou le chevalier au lion qui dit qu'un chevalier, je cite, c'est quelqu'un qui cherche ce qu'il ne peut pas trouver. Et en fait, c'est exactement ce qui s'était passé dans la saison 1. On suivait les aventures de Geralt à travers les forêts, de manière un petit peu décousue, sans forcément comprendre la logique des épisodes, jusqu'à ce qu'à la fin de cette première saison, Geralt trouve la jeune princesse Ciri, qui, comme c'est dit dans la série, qui incarne sa destinée, qui est sa destinée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce thème de l'errance du chevalier et de l'errance de Geralt, eh ben on le retrouve à travers l'exploitation de l'espace que fait la série. Il y a de très nombreuses scènes dans des espaces de forêt, dans des territoires qui semblent reculés, qui semblent sauvages, peuplés de monstres, de créatures inquiétantes, exactement comme dans un roman de chevalerie. Et la forêt sert en fait à mettre en scène de manière concrète l'errance interne du personnage entre le monde des êtres humains et le monde des monstres. Il y a vraiment un parallèle entre ce qui se joue à l'intérieur du chevalier et ce qui se joue dans les espaces qu'il traverse. Et Geralt, il est vraiment à la frontière entre ces deux mondes humains et monstres parce que c'est un homme, mais qui est génétiquement modifié, qui est considéré comme un monstre et qui doit en permanence naviguer entre le bien et le mal en essayant de rester droit. Et puis, quand on voit ce que fait Gérald et le rôle des sorceleurs d'ailleurs, hein, c'est de combattre les monstres. Et là, on ne peut que penser à une des grandes figures, hein, du Moyen-Âge, en tout cas, un des grands saints patrons du Moyen-Âge, c'est Saint-Georges qui combat le dragon. Là, on est sur quelque chose aussi de très très connu au Moyen-Âge. Oui, c'est vrai que les combats avec les monstres peuvent être vraiment au cœur de la littérature médiévale. C'est le paroxysme de l'œuvre avec un exploit guerrier contre une créature monstrueuse. Et prenons par exemple les trois premiers épisodes de la saison 2, ces trois premiers épisodes
ils suivent un schéma narratif qui se termine toujours par un combat contre un monstre, qui est vraiment en fait le moment attendu par le public, un moment d'action pure, de grand spectacle, où on peut voir l'étendue de la force, de la technique guerrière du sorceleur. Et c'est vrai que ce motif littéraire de Saint-Georges terrassant le dragon, on en retrouve un petit peu des échos. Alors là, dans le dernier combat de la saison, un combat assez musclé, hein, contre un basilic, un immense lézard à plumes qui sort d'un portail et que Geralt va affronter. Et alors, pour le coup, je parlais des transferts culturels en début d'émission, et c'est vrai que là, c'est assez intéressant parce que cette légende médiévale de Saint-Georges terrassant le dragon, ben, c'est une légende qui est venue d'Orient, qui se serait largement diffusée en Occident au milieu du Moyen Âge par le biais des récits que les croisés rapportaient avec eux dans leur pays d'origine. Donc là, on voit vraiment aussi qu'on peut avoir des éléments extérieurs, exogènes, qui peuvent alimenter la série. Et alors, dans la scène de combat contre le basilic, il y a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est de voir que dans cette scène, par contre, la série va renverser complètement la légende d'origine, tout comme la série renverse à chaque fois la logique des contes. Le dragon, cette fois, il ne menace pas de dévorer une princesse, comme dans la légende, mais ici, en fait, c'est Ciri, la princesse, qui va invoquer le dragon, parce qu'elle est possédée, hein, par un esprit maléfique. C'est Ciri qui va invoquer le dragon pour dévorer le chevalier. Donc on a complètement l'inverse de la logique du conte. Ceci étant, il faut dire que les scènes de combat de la série entre les êtres humains, alors pour le coup, là, elles s'éloignent assez du combat de chevalier tel qu'il existe au Moyen Âge. Là, on a des combats qui sont extrêmement brutaux, extrêmement violents, où tous les coups sont permis et où l'objectif, hein, c'est de tuer l'ennemi sur le coup. Et ces combats violents, en fait, ils sont là aussi pour une bonne raison scénaristique. Bah, c'est pour créer cette image d'un monde sombre et brutal. Mais on est bien bien loin du combat de chevalier médiéval. Hein. Dans le combat de chevalier médiéval, souvent, on cherche à épargner son ennemi. Même les techniques de combat utilisées, font pas vraiment médiéval. C'est vrai qu'on est loin d'une série comme The King sur Netflix qui avait essayé de se rapprocher un petit peu de ce que pouvait être le combat médiéval. Et puis alors, faut voir que dans la manière de filmer les combats, la série The Witcher, elle s'éloigne beaucoup des codes habituels des séries médiévalistes. Et en fait, elle va se rapprocher plutôt de mises en scène qui sont propres à des films d'action. Et là, je pense vraiment à un épisode en particulier, à l'épisode 6, dans un temple où Geralt se bat à main nue. Il est contre plusieurs adversaires qui, eux, sont armés jusqu'aux dents. Et on a un combat extrêmement sauvage où les réalisateurs, ici, ont fait un choix de scène au ralenti et très chorégraphié, bah, qui pourrait faire davantage penser aux combats de films d'action, comme par exemple le film Matrix. Simon, maintenant j'aimerais qu'on évoque des personnages importants, hein, c'est les femmes et deux femmes principalement de cette série, hein, on va le voir, vous avez déjà évoqué Ciri, on va aussi parler de Yennefer, mais il y a quand même une thématique dans cette saison 2 importante, c'est les femmes, les relations des femmes avec le pouvoir et des femmes qui surtout hein, cherchent à dompter leur pouvoir. Ça c'est quelque chose de très important qui aussi est une thématique, on va dire, que l'on retrouve dans d'autres œuvres actuelles. Oui, c'est vrai que il m'a semblé que l'un vraiment des thèmes centraux, hein, de cette saison 2, ce qui fait sa spécificité, ben, c'est cette idée pour les femmes de dompter leur pouvoir. Et effectivement, c'est un motif narratif qui ne sort pas de nulle part, en fait, qui est très à la mode, manifestement, en ce moment, dans les œuvres de fiction de la culture pop. Dans Game of Thrones, on avait ça, notamment avec le personnage de Daenerys Targaryen, surtout dans les dernières saisons, où on voit que l'enjeu, c'était de réussir à maîtriser l'immense pouvoir dont elle était investie. Mais on peut sortir un peu de la fantasy pour aller voir du côté de la science-fiction. Dans Star Wars, par exemple, le personnage de Rey Skywalker doit apprendre aussi à maîtriser son pouvoir. Elle est à la frontière entre le côté clair et le côté obscur. Et même plus largement, dans une œuvre de Disney comme La Reine des Neiges, bah, la thématique aussi pour La Reine des Neiges, Elsa, c'est de maîtriser son pouvoir. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui semble être assez à la mode et qui semble aussi impliquer, pour le coup, eh ben, des personnages féminins.
Ici, deux personnages, Ciri et Yennefer, hein, qui forment avec Geralt le trio des personnages principaux. Ce personnage de Ciri, on le voit, il prend une importance narrative, on va dire, vraiment majeure dans la saison 2. Hein. Elle devient en quelque sorte une sorte d'apprenti. Alors, si on fait le parallèle avec Star Wars, on pourrait dire presque de Padawan, en tout cas de Geralt. Mais est-ce que vous pourriez peut-être revenir un petit peu en arrière sur la saison 1 et retranscrire les liens qui unissent Ciri à Geralt? Donc Ciri est un personnage, en effet, qui est vraiment central dans la saga, et on peut peut-être effectivement rappeler ses liens avec Geralt. En fait, avant la naissance de Ciri, Geralt avait sauvé le père de Ciri et avait permis le mariage de ses deux parents. Et en fait, le père de Ciri avait demandé à Geralt, lui avait dit qu'il pourrait, en échange, exercer... répondre à n'importe quel de ses souhaits. Et en fait, Geralt avait invoqué ce qu'on appelle le droit de surprise, c'est le droit de réclamer ce qu'une personne ignore avoir. Et le père de Ciri ignorait que sa femme était enceinte de Ciri. Donc en fait, c'est là qu'il va y avoir un premier lien du destin qui va se créer entre les deux personnages. Alors après, Ciri, pendant qu'elle est encore nourrisson, ses deux parents disparaissent dans un naufrage. Donc elle va être orpheline, elle va être élevée par sa grand-mère, la reine Calante du royaume de Sintra, qui meurt dans la première saison face à l'invasion de l'empire de Nilfgaard. Et donc la première saison, elle nous racontait la manière dont Ciri va échapper à cette invasion de Nilfgaard et va finir par rencontrer Geralt, qui en fait est donc lié par le destin à Ciri et va chercher à la protéger dans un premier temps. Et donc la saison 2 va se concentrer sur la relation entre Geralt et Ciri, ainsi que sur les pouvoirs immenses de la jeune fille. Parce qu'en fait, si au départ, Ciri, elle peut faire un peu figure de jeune princesse à sauver, et bien très rapidement, elle va apparaître comme une véritable arme de destruction massive, investie d'un immense pouvoir du fait de ses origines mystérieuses que la saison 2 va nous laisser entrevoir. Elle va nous faire comprendre qu'elle descend sans doute d'une guerrière elfe et qu'elle est de sang ancien, c'est-à-dire qu'elle appartient à une race qui est investie de pouvoirs extraordinaires. Et ça va entraîner deux choses. Ça va entraîner tout d'abord le fait que les enjeux politiques vont se cristalliser autour du personnage de Ciri, car en fait son pouvoir peut devenir une arme dans la guerre entre les royaumes. Et la seconde chose que ça va entraîner, c'est le fait que Ciri elle-même va chercher à comprendre comment contrôler son pouvoir pour faire ce qui lui semble être le bien. Et donc c'est là qu'on va retrouver le motif très utilisé dans les œuvres de pop culture, hein, autour de la figure du héros, et là pour le coup d'une héroïne, hein, qui est déchirée entre le côté clair et le côté obscur. Alors après, l'univers de The Witcher propose une mise en scène assez particulière pour représenter cette lutte. La série va faire le choix de faire de très nombreux flashbacks ou alors des sauts dans d'autres dimensions, parce qu'on va comprendre dans la saison 2 que dans l'univers du Witcher, il y aurait plusieurs dimensions. Bon, ça a peut-être pu agacer certaines personnes, ces flashbacks permanents. En tout cas, c'est un choix de la série. Et c'est de cette manière que la saison 2, elle va donner à voir un autre groupe de personnages très célèbres dans la saga. Ce sont les personnages qui constituent la chasse sauvage. La chasse sauvage, c'est un groupe de cavaliers, hein, sans doute des elfes noirs, qui veulent se venger des humains. Dans le jeu vidéo, c'est plutôt des spectres qui vivent dans une autre dimension. Et les membres de la chasse sauvage appellent Ciri à les rejoindre pour semer la mort et la destruction. Alors là, il y a quelque chose d'assez intéressant à voir du point de vue artistique. Dans les paysages désertiques où on retrouve la chasse sauvage, on a l'impression d'avoir des emprunts à Mad Max. Mais pour revenir un peu plus à la matière historique, dans la chasse sauvage, on trouve peut-être aussi une référence au cavalier de l'Apocalypse. Dans le Nouveau Testament, à l'Apocalypse selon saint Jean, il est dit: on leur donna le pouvoir sur le quart de la terre pour exterminer par l'épée, par la faim, par la peste et par les fauves de la terre. Là, on retrouve aussi un petit peu un écho à la citation qui hante la série, le temps de la folie et du mépris.
Simon, autre personnage important féminin, c'est Yennefer qu'on avait laissée en fin de saison 1 avec un pouvoir immense, celui de maîtriser le feu. Hein. Elle avait gagné d'ailleurs à elle toute seule quasiment une bataille et fait des milliers de victimes, ce qu'on a pu voir. Alors justement, cette saison 2, elle est paradoxale parce que Yennefer a perdu ses pouvoirs et donc vous l'avez dit, hein, cette idée de tout faire pour les retrouver. Alors là aussi, ça serait peut-être intéressant, Simon, de faire un petit flashback justement pour nous évoquer avec nous ce personnage et cette relation, on l'a vu un petit peu en creux depuis le début de l'émission qu'elle a avec Geralt. Yennefer, au départ, c'est pas du tout le personnage de la magicienne sombre et séduisante qu'on voit. Au départ, c'est une paysanne bossue qui est vendue par ses parents à une académie de magie. Et c'est dans cette académie de magie qu'elle va devenir une puissante sorcière qui utilise des sortilèges interdits, qui va utiliser notamment ces sortilèges pour devenir belle, mais au prix de sa capacité à enfanter. Et c'est intéressant aussi à ce point de vue parce que, en fait, Geralt, du fait de ses modifications génétiques, Yennefer, du fait de ce sortilège, les deux personnages ne peuvent pas enfanter. Par contre, ils vont se retrouver avec une enfant à guider sur le chemin de la vie, Ciri. Alors, en effet, Yennefer, il faut souligner qu'il y a vraiment une différence de traitement dans les deux saisons. Dans la première saison, on va plutôt la présenter comme une magicienne puissante et séduisante. C'est le cliché de la sorcière médiévale avec ses cheveux sombres, inquiétante et séduisante à la fois, qui pratique une magie interdite et qui vend des sortilèges. Il faut rappeler, ceci étant, que cette représentation de la sorcière, on pense spontanément que c'est très médiéval. En fait, ça n'a rien de médiéval. Cette représentation de la sorcière n'existe pas au Moyen Âge. C'est à la Renaissance ou à l'époque moderne que cet imaginaire de la sorcière se développe, un imaginaire de la sorcière maléfique qui vont en fait entraîner et permettre des formes de persécution contre les femmes accusées de sorcellerie, ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Et dans la saison 2, le personnage de Yennefer ne va plus être investi de toutes ces représentations, ou alors beaucoup moins, du fait de la perte de ses pouvoirs. Et la saison 2 va faire un autre choix scénaristique, hein, ça va être raconter l'attitude de Yennefer dans une situation d'impuissance pour récupérer ses pouvoirs. Mais chose intéressante, la série va faire le choix de représenter, quoi qu'il en soit, Yennefer comme une femme active et déterminée pour récupérer ses pouvoirs, et non comme une femme faible et vulnérable. Ce que vous dites, Simon, à l'instant, ça rappelle quand même aussi, vous l'avez dit en introduction, hein, qu'une série, même si elle veut parler du Moyen Âge, ou en tout cas de topos sur le Moyen Âge, elle calque dessus des problématiques actuelles. Et quand on regarde The Witcher, ne serait-ce qu'avec la place des femmes dans cette saison 2 qui est majeure, on peut peut-être se poser la question de savoir justement si, quelque part, les showrunners, et c'est une showrunneuse, vous l'avez dit, n'a pas voulu placer dedans, en tout cas dans cette œuvre médiévale, des messages féministes. Je pense aussi notamment au rôle que veulent jouer d'autres sorcières comme Fringilla, hein, mais il n'y a pas qu'elle, dans la saison 2. Oui, tout à fait, tout à fait. On peut se demander s'il n'y a pas une évolution aussi un petit peu dans la représentation en fait du Moyen Âge du fait de ces messages féministes sur lesquels l'œuvre se construit. Ciri et Yennefer ne sont effectivement pas les seuls à chercher à s'imposer dans un monde d'hommes. Donc il y a cette magicienne Fringilla qui est une camarade de Yennefer de l'école des mages. Et qui va passer au service de l'Empire de Nilfgaard. Mais dans l'Empire de Nilfgaard, elle va chercher à acquérir de hautes fonctions, en fait, et à prendre le plus de pouvoir possible. On a aussi un autre personnage féminin qui est la reine des elfes, Francesca, et elle veut venger son peuple en voie de disparition, qui est discriminé et massacré par les humains. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la série utilise un univers médiéval perçu comme largement patriarcal pour mettre en scène des luttes contemporaines, des combats féministes. Mais ce qui est encore plus à souligner, et peut-être osé de la part de la showrunneuse, c'est mettre en scène ces luttes féministes en changeant la représentation des femmes par rapport aux autres séries inspirées du Moyen Âge. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, si on prend les séries médiévalisantes, et notamment Game of Thrones,
les femmes sont plutôt représentées comme faibles, comme devant subir systématiquement la violence des hommes avant de pouvoir se venger, avant de pouvoir s'imposer, ou alors les femmes aussi représentées comme des figures ultra sexualisées. Donc ça, ce serait une représentation, voilà, qu'on retrouvait jusqu'ici et qui va changer avec The Witcher, qu'on retrouve hein, beaucoup moins. Cette fois, on a des femmes qui sont capables d'affronter et de vaincre la violence des hommes sans être détruites, au moins dans un premier temps, par elles. Donc en fait, tout en représentant un monde sombre et patriarcal, la série met en scène des personnages féminins suffisamment déterminés et combatifs pour tenir les hommes en échec. Et ça va passer par un changement véritablement d'ordre esthétique. Il m'a semblé que notamment dans la saison 2, hein, cette saison 2, la série sexualise beaucoup moins les personnages féminins. Et c'est tout particulièrement le cas de Yennefer, bien moins sexualisée que dans la saison 1. Pourtant, il y aurait, comment dire, dans une série médiévalisante classique, c'est tout à fait ce qui aurait pu se passer parce que Yennefer, du fait de ses sortilèges, s'est vraiment donné l'aspect d'une femme séduisante. Mais là, la showrunneuse ne prend pas ce parti de la sursexualiser. Peut-être faut-il y voir hein, le reflet du fait que la série soit désormais prise en charge par une femme, par une showrunneuse, ce qui permet un peu de sortir de ce qu'on appelle hein, le male gaze, des femmes représentées à travers le regard des hommes, et donc comme objet sexuel. Par ailleurs, les personnages de magiciennes de la série du Witcher, comme ce sont des personnages qui ont du pouvoir, eh ben, on peut les représenter tenant un discours féministe fort et tenant tête aux hommes. Et là-dessus, il y a un passage qui peut sembler très anecdotique, mais qui, moi, a vraiment attiré mon attention dans la saison 2. C'est un passage où on se trouve au quartier général des sorceleurs, Kaer Morhen. C'est là où se trouvent les compagnons de Geralt, qui, comme lui, sont des mercenaires, des machines à tuer. Ciri, elle a été recueillie dans ce quartier général, Kaer Morhen, et en fait, elle essaie de s'intégrer parmi les guerriers, les compagnons de Geralt. Mais ces derniers se moquent de Ciri. Ils se moquent de la jeune fille comme d'une princesse qui peut pas apprendre à se défendre comme eux, qui sait pas se battre, et qui, de toute façon, va rester une princesse toute sa vie. Et là intervient un personnage, intervient la magicienne Triss Merigold. Triss Merigold, c'est donc aussi une des magiciennes du continent. Elle est très respectée parmi les sorceleurs et elle va les remettre à leur place. Elle va les renvoyer à leur ignorance. Elle va leur dire qu'ils ne voient pas que Ciri vit avec eux dans des conditions misérables, qu'elle fait le ménage pour eux. Et elle rappelle même aussi dans une réplique, au détour d'une réplique, que Ciri, la jeune fille, n'a absolument aucun linge pour ses règles. Et elle va conclure. Je la cite, c'est pas moi qui le dis, je la cite. Vous, mutants, dites ne pas comprendre ce que les gens ressentent, mais en réalité, vous choisissez d'être des connards ignorants. Et là, on voit bien en fait que beaucoup de thématiques contemporaines, le male gaze, le plafond de verre, la visibilité, mais aussi, pour le coup, la sororité, le soutien entre femmes, en fait, toutes ces thématiques contemporaines, elles trouvent à s'exprimer dans ce passage et plus largement dans la série médiévalisante. Alors après, plus généralement, avec The Witcher et avec d'autres œuvres récentes, peut-être qu'on assiste justement à un changement, une évolution dans la représentation des femmes. Et c'est vraiment intéressant par rapport à l'image que la fiction peut donner du Moyen Âge. Parce que jusqu'à présent, avec des séries comme Game of Thrones, les réalisateurs, en fait, ils n'hésitaient pas à exagérer les représentations machistes du Moyen Âge. Mais sous couvert de fidélité avec l'époque médiévale. Oui, c'est machiste, mais en fait, c'était comme ça au Moyen Âge. Et du coup, ça gommait complètement la complexité de cette époque. Bien sûr, le Moyen Âge était structuré autour de logiques patriarcales, c'est certain. Mais on en vient du coup à croire de manière simple et caricaturale que les femmes n'ont aucun pouvoir au Moyen Âge, alors même que la réalité, eh bien, elle est beaucoup plus complexe. Au Moyen Âge, il y a des situations où les femmes peuvent acquérir du pouvoir, notamment dans le cadre d'un veuvage ou de l'absence du mari qui est parti à la guerre. Et là, je fais un tout petit, toute petite référence, hein. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le récent film de Ridley Scott, hein, Le Dernier Duel, qui là aussi était un film médiéval investi de questionnements féministes. Et puis par ailleurs,
Le Moyen-Âge, c'est une période qui est longue, qui est vaste, et en fait, selon les moments, selon les lieux étudiés, les contextes étudiés, eh bien, il peut y avoir une place des femmes qui n'est pas la même, un pouvoir des femmes qui n'est pas le même. Et en fait, on voit bien que charger le Moyen-Âge de représentations machistes, ça lui enlève toute complexité, alors qu'il y a vraiment des questions de genre qui ont pu se poser à cette époque, à différents moments du Moyen Âge, et qui ont, bah, appelé des réponses spécifiques, de la part de toutes ces sociétés. La saison 2 de The Witcher, c'est aussi l'occasion, peut-être, pour les showrunners, de développer l'intrigue et l'intrigue politique particulièrement. On a vu dans la saison 1 l'invasion des royaumes par Nilfgaard, justement, qui se termine par cette bataille où Nilfgaard est repoussé d'ailleurs par Yennefer, justement. Alors, dans la saison 2, on voit toute la complexité des relations politiques sur le continent. Est-ce que vous pourriez d'ailleurs, peut-être, faire avec nous un point sur ce qui apparaît dans les tensions entre les différents royaumes et en particulier peut-être présenter ces fameux royaumes du Nord qu'on voit prendre une certaine importance narrative dans la saison 2. Oui, tout à fait, c'est vraiment le côté un peu Game of Thrones, hein, de la saison 2, cet accent qui peut être davantage mis sur la politique. Donc, en face de l'Empire de Nilfgaard, on a ces royaumes du Nord, des royaumes du Nord qui sont divisés. Et en fait, dans la saison 2, ils vont vraiment passer pour de petites tyrannies. Donc, dans la saison 1, on nous disait les royaumes du Nord, c'est plutôt les gentils et Nilfgaard, c'est plutôt les méchants. Bah, là, on voit que cette représentation, elle évolue. On a ces royaumes du Nord, hein, dont les dirigeants seraient finalement corrompus et chercheraient le pouvoir sans tenir compte de leur population, hein, quitte à manipuler, à trahir. Ça, on le retrouve bien à travers un personnage, hein, c'est le personnage de Dijkstra, un grand homme chauve qui est responsable des services de renseignement d'un des royaumes, le royaume de Redania, hein, et qui dit si notre but est de déstabiliser le continent, le grabuge est une bonne nouvelle. C'est vraiment une réplique, ça, de Game of Thrones. Et avec une telle représentation, en fait, des royaumes du Nord, ben, on peut voir des parallèles, alors un petit peu mélangés avec le Moyen Âge. La série semble en effet faire une espèce de mix entre les principautés de l'Europe féodale et les cités-États de l'Italie de la Renaissance qui sont en concurrence les unes contre les autres, avec une diplomatie très active et des guerres très coûteuses. Alors là-dessus, il me semble que cette vision politique du Moyen Âge que transmet le Witcher, bon, semble assez révélatrice de la manière dont on a tendance à aplanir le Moyen Âge au plan politique, hein, comme une période uniforme, où finalement il n'y aurait que des royaumes qui exerceraient le pouvoir un peu de la même manière, alors que justement un des objectifs de la recherche, c'est de montrer, bah, les divergences dans le temps et dans l'espace, dans les manières dont le pouvoir est exercé dans les différentes entités politiques médiévales. Simon, justement, peut-être commencer, hein, je le disais tout à l'heure, par ces royaumes du Nord, qu'on voit vraiment apparaître. On les voit d'ailleurs aussi réunis autour d'une table, par exemple, et on voit bien ces jeux, hein, entre eux qui sont quelque chose de majeur. Alors, pourquoi, justement, d'après vous, cette saison 2, elle les met plus en avant? Parce que peut-être déjà la saison 1 avait présenté le décor et la saison 2, on rentre dans l'histoire? Oui, complètement. On rentre dans l'histoire, en fait, et on va essayer de mettre l'accent sur les manœuvres politiques face à Nilfgaard. Et en fait, en face de Nilfgaard, qu'on avait tendance à présenter comme un peu l'empire du mal, ce qui est classique finalement dans les séries de fiction, Nilfgaard, cette fois, va être finalement un peu valorisé à travers cette saison 2, notamment par le fait que Nilfgaard, en fait, va accueillir des réfugiés elfes. Et alors, c'est assez intéressant parce que là, on retrouve pour le coup la définition scientifique d'un empire, hein. Un empire, c'est une structure politique qui va opérer une gestion de population différente. Donc là, en effet, les elfes qui s'intègrent à cet empire de Nilfgaard et qui vont être vraiment un des enjeux au cœur de la saison 2. Et c'est d'ailleurs à ce propos que la saison 2, bah, elle va prendre à bras le corps aussi une autre question, c'est la question des identités ethniques.
Oui, effectivement, on revient là-dessus, vous l'avez dit, hein, identité ethnique qui sont transposées non pas sur des couleurs de peau, mais sur des origines principalement autour du rejet, et on le voit dans de nombreuses scènes, hein, par les humains des elfes. Ça, c'est au cœur de cette série-là. Là, il y a aussi un vrai message actuel, en tout cas, peut-être pas direct, mais en tout cas détourné, sur l'acceptation de l'autre. Oui, exactement. C'est le second peut-être grand thème, hein, de cette saison, il m'a semblé. Alors peut-être rappeler, hein, pour les personnes qui ne sont pas forcément familières de la fantasy, hein, il y a un code bien connu dans la fantasy, c'est représenter différentes races qui vivent dans un même monde, hein, des êtres humains, des elfes, des nains, des dragons. Et là, en fait, avec The Witcher, eh bien, on va pousser ce principe jusqu'au bout. Et on va vraiment essayer d'imaginer des formes de racisme, de discrimination très violente de la part des humains à l'égard des autres races, et notamment à l'égard des elfes, hein, que les humains cherchent à exterminer. Les elfes, au départ, hein, c'était eux les occupants majoritaires du continent. Et en fait, petit à petit, ils ont été chassés, ils ont été massacrés par les humains, jusqu'à devoir vivre cachés dans des endroits inaccessibles, voire vivre au milieu des humains, mais en fait être l'objet de discrimination et de mauvais traitements. Et donc, comme j'ai dit, un Nilfgaard a profité de cette situation pour proposer aux elfes de s'installer dans l'Empire. Alors, cette thématique des minorités persécutées, à l'heure actuelle, elle semble avoir une certaine popularité, hein, dans les fictions contemporaines. On la retrouve notamment dans Game of Thrones à nouveau. On la retrouve avec les sauvageons qui sont chassés, qui doivent habiter au-delà du mur et essayer de survivre dans un environnement extrêmement hostile. Mais on retrouve aussi ces thématiques dans les séries Disney+, des séries très récentes, hein. The Mandalorian, qui est fondée sur l'univers de Star Wars. Le héros de The Mandalorian, c'est un membre du peuple de Mandalore qui essaie de survivre dans la clandestinité. Autre série, autre univers sur Disney+, hein, Falcon et le Soldat de l'Hiver. Donc là, c'est une série Marvel avec les super-héros de Marvel. Et en fait, cette série, elle cherche vraiment à aborder très directement la question des discriminations contre les Noirs américains, mais aussi la question des réfugiés dans les États, que les États peinent à accueillir. Alors, dans The Witcher, cette attention portée aux thématiques d'identité raciale, elle va se retrouver dans un choix esthétique, dans un choix formel, dans la diversité ethnique du casting, dans la diversité ethnique du casting de la série. Yennefer, elle est interprétée par Anya Chalhotra, une femme donc de père indien et de mère britannique. Et donc, on s'éloigne un petit peu du personnage tel qu'il est connu, tel qu'il est représenté présenté dans les livres et dans le jeu vidéo. C'est peut-être encore plus frappant pour Triss Merigold, interprétée par Anna Schaffer, qui est une actrice métisse et qui ne ressemble pas du tout à la magicienne blanche et rousse des jeux vidéo. Donc il y a vraiment un écart entre le visage des personnages dans les jeux vidéo et le visage qu'on a choisi de leur donner dans la série, notamment avec des actrices, des acteurs métisses. Alors plus largement, chez les elfes, on peut voir aussi qu'on a des personnes blanches et des personnes noires, pareil chez les humains. Et en fait, là, ce qui est intéressant, au-delà peut-être des polémiques un peu stériles, hein, à cet égard, en fait, c'est de voir que les identités raciales de notre monde, noirs, blancs, ne sont pas les identités raciales de l'univers de The Witcher. Où là, les identités raciales, c'est elfes, nains, hommes. Mais par contre, les règles, sociologiques restent les mêmes, restent identiques. Et ça, c'est assez intéressant. Il me semble aussi que ça contribue à changer la représentation des mondes médiévalisants, où jusqu'à présent, ben, prédominaient des acteurs blancs. Ou alors, s'il n'y avait pas d'acteurs blancs, en fait, les différences ethniques du casting servaient uniquement à mimer des différences raciales de la série, hein. Dans Game of Thrones, les hommes du Sud, par exemple, devaient être typés orientaux. Et donc là, avec ces choix de casting, bah, en fait, c'est aussi un changement de représentation de la période du Moyen Âge. Peut-être pas, c'est pas une représentation qui cherche à être exacte, mais qui cherche en tout cas à être différent. Et en fait, pour terminer, hein, il me semble vraiment que ça s'inscrit dans un projet plus large de la directrice de la série, hein, Lauren Ihrisch, un projet vraiment de renouveler les représentations de la fantasy. Concernant le spin-off, un des spin-offs de The Witcher, un Blood Origin, qui doit se passer plus de 1 000 ans avant la série, eh ben, la showrunneuse, elle a déclaré, hein, je cite, « Ça ne peut pas être juste une autre branche de notre fantasy médiévale.
Alors, comment réinventer l'apparence de ce monde? Comment réinventer l'apparence de ce monde, du monde médiéval fantastique, à travers ce spin-off et à travers, en fait, la série qu'elle a prise en main du Witcher. Et on va bien voir ce que ça va donner ce pari, mais en tout cas, le constat de la showrunneuse me semble assez juste, hein, les codes de la fantasy doivent évoluer. Qu'est-ce qu'on peut dire, Simon, finalement, en conclusion sur cette saison 2 de The Witcher? Alors, ce qu'on peut dire d'un point de vue formel, c'est qu'il y a, il me semble, pas mal de changements par rapport aux représentations classiques du Moyen Âge dans la fantasy. Il y a bien sûr donc des raisons hein, purement économiques, mais voilà, il y a aussi des réflexions sur comment représenter le Moyen Âge différemment, étant donné que les représentations de notre propre société sont en train d'évoluer. Et puis plus largement, il me semble qu'on peut retenir aussi de The Witcher une utilisation assez spécifique hein, du Moyen Âge qui est peut-être un peu différente. Certes, on essaie de reprendre l'image sombre du Moyen Âge, mais en fait, on va faire un traitement peut-être un petit peu différent de ces grandes figures et des motifs médiévaux. Et certains de ces motifs médiévaux vont apparaître de manière très discrète. Enfin, à titre de spectateur, bon, il m'a semblé que cette série avait eu un véritable progrès dans la saison 2 en termes de réalisation. Donc, en tout cas, à titre personnel, je suis assez impatient de voir la suite. Merci beaucoup pour votre analyse de cette saison 2, Simon Zentefel. Donc, vous avez fourni, comme tous les intervenants et les intervenantes de l'émission, une bibliographie indicative qui permettra aux auditeurs d'aller plus loin, de se renseigner sur tous les thèmes que vous avez évoqués. Donc, on retrouve cette bibliographie sur notre site internet histoireenserie.com. Et puis, vous suivez notre actualité sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. N'hésitez pas à vous abonner pour vraiment être au plus près de l'actualité d'Histoire en série. Vous pouvez aussi nous retrouver sur nonfiction.fr. Vous avez le résumé de toutes les émissions depuis le début avec les liens pour aller écouter les émissions vers les grandes plateformes de podcast et vers YouTube. Vraiment, merci beaucoup Simon pour cette évocation de la série The Witcher. Et oui, comme vous l'avez dit, on est impatient de voir la suite parce que cette saison 2 a laissé beaucoup de promesses scénaristiques et donc on attend avec impatience la suite. À bientôt peut-être pour une prochaine analyse, Simon. Avec grand plaisir. À très bientôt, Nicolas. Retrouvez-nous sur Twitter @histoireensérie pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Such a beautiful planet, populated by a stranger.